Et bien c'est tout le monde, c'est Luffy Crafté. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, pas comme d'habitude, parce que j'en ai fait qu'une seule fois, mais là ça pourrait peut-être vous intéresser parce que on est un peu plus nombreux sur la chaîne. Donc voilà. Donc je vais aujourd'hui vous apprendre comment faire une intro donc sur Char Factory. Donc j'avais déjà fait une vidéo, mais il y avait un truc où je ne le savais pas, et maintenant ça fait 30 ans maintenant que je le sais et que je peux vous le dire. Alors, avant de commencer, par contre, je me tiens à vous informer que en bas à gauche de votre écran de la vidéo, vous voyez que c'est marqué importer du contenu. Donc quand vous allez dessus, en fait, vous pouvez importer de la musique, des vidéos et des images. Ça veut dire qu'avec votre clé USB, il va falloir renommer chaque dossier. Comme par exemple, pour vidéo, il va falloir nommer un dossier Char Factory en majuscule tout Char Factory et créer un dossier dans Char Factory, créer un dossier marqué vidéo. Et on pourra, vous pourrez introduire vos vidéos sur un montage. Ça sera pas obligé d'aller sur YouTube, et en fait c'est qu'on ne peut pas en plus maintenant enregistrer en plus sur internet des vidéos qu'il y a sur internet, c'est très très dur. Donc maintenant on peut le faire, je viens de le remarquer, et on peut le faire avec notre clé USB. Donc un jour j'essaierai de vous le montrer quand un peu plus tard, peut-être dans les vidéos, vous me le direz dans les commentaires. Donc aujourd'hui donc on va aller d'abord sur un nouveau projet. Quand vous allez dessus, vous allez avoir à chaque fois choisir un thème. Donc ça peut être Ghost Recon, The Evil White, Wanting ou je sais pas quoi, et plein d'autres choses. Moi je pense surtout celui-là parce qu'il est assez intéressant, parce que au niveau des trucs il est assez intéressant. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, j'ai pris et je les ai enlevés parce que ça ne sert à rien, ça va juste vous embêter, ça ne servira à rien. Exemple. Bon, en plus j'ai pas fait de vidéo, donc c'est pas très très grave. Mais on va par exemple prendre une intro, par exemple celle-là. Je sais pas moi, est-ce que j'ai pas des... on pourrait prendre... On va prendre ça là par exemple. On va dire que c'est une vidéo normale. Bon, normalement ça c'est une intro déjà préparée, mais je vais peut-être en refaire une autre, et je pense que je vais en faire une bonne, donc je sais comment faire. Ok, donc en premier lieu, donc vous me voir, bon, ça c'est une intro que vous avez vu qu'une fois pour l'instant, parce que je vais pas tout le temps vous la mettre parce que je crois qu'elle est pas assez très intéressante, donc j'essaie d'en refaire une. Donc vous pouvez par exemple mettre ajouter des clips, et en plus on peut ajouter des clips. Sélection par catégorie. Ah voilà, on peut aussi, voyez, on peut importer des vidéos, importer donc comme vous avez pu le comprendre, par le fichier Char Factory et vidéo, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Donc bon, ça pour l'instant on s'en fout un petit peu. Après vous avez ajouter une superposition, pardon. S'ajouter une image. Par exemple, on peut aller dans image importée, donc comme je vous l'avais montré encore au début de la vidéo, ou sinon on a des stickers de thème, n'importe lesquels, vous avez des flèches et tout. Vous avez du texte aussi, que plusieurs trucs, donc vous avez un petit peu comme ça. Je trouve que celui-là il est assez sympa, on dirait un peu comme du version Minecraft, mais je trouve qu'il est assez sympa, donc parfois je vous le conseille. Si vous voulez vraiment du normal, prenez celui-là. Ou c'est de là un des trois. Voilà, par exemple on va prendre celui-là, on va marquer nouvelle série. Et merde, je tombe bête. Hop, tac. Hop, nouvelle série, tac. Et on va modifier par exemple, on va la mettre en grand avec la touche R1. Par exemple, hop, nouvelle série. On fait croix, on peut modifier le texte si on veut, si c'est pas ça qu'on voulait. On peut aussi faire un effet textuel. Donc attendez, c'est effet textuel. Ouais, c'est assez dur à prononcer. Après on va mettre de la couleur, par exemple je mets du jour ou du rouge parce que ça se voit un peu mieux. Et on va par exemple la place, on va la mettre ici. Voyez. Et après quand vous avez tout ça est fini,
En fait, c'est vraiment très très simple, donc ça va durer pendant toute la longueur. Mais si vous voulez que ça ne dure que pendant, je sais pas, pas très longtemps, en fait, il faudra vous scinder le clip et scinder quelque part. Par exemple, on peut le scinder ici et là, il n'y en aura plus. Par exemple, faire ça comme ça. Vous voyez, hop, par exemple. Et voilà. Et après, d'un coup, il n'y est plus. Et sinon, après, vous pouvez aussi, après, les importer, donc enregistrer le projet, exporter vers vos galeries. Donc, vous pouvez faire ça aussi comme ça, hein, bien sûr. C'est pas ça. Ou sinon, c'est de générer une miniature. C'est vraiment très facile, mais ça, c'est vous qui le faites. Ou sinon, vous pouvez faire directement sur le PC et le mettre directement sur YouTube. Voilà, tout ça. Par contre, je voulais pas enregistrer, en fait, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas fait, de commenter, vous rejoindre sur Skype et sur Twitter. De toute façon, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne secondaire. Le lien n'est pas dans la description, mais vous pouvez aller voir sur la chaîne dans la catégorie à propos. Vous pouvez aller voir le lien est dedans ou dans les lives qu'il y a eu. Vous pouvez aller voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sure.